Hello tout le monde, on se retrouve pour le haul de la semaine. Alors plein de nouveautés à vous montrer. On commence, donc comme vous le savez, je range mes tampons dans les classeurs. Donc là j'ai tout celui-ci, désolé, trois plastiques. Donc j'ai repris celui-là à 18,10€, voilà. Et je vous avais dit que j'essaierais de ranger les Studio Light à l'intérieur. Donc là forcément je suis sûre que je n'aurai pas assez avec les 5 feuilles, mais j'en avais d'avance. Donc voilà, on va tester. Je pense que je ferai par thème. Voilà, donc ça c'est pour les collections Studio Light. Et j'ai repris, donc je vais refaire du bruit, j'ai repris celui-là à 19,95€. Et celui-ci à utilisation, donc là j'ai quand même les encres images, les Nude Choice à l'intérieur. Franchement, à utilisation, j'adore. Voilà, il n'y a pas à le donner, j'adore le principe. On attrape, on range, c'est fait et ça prend moins de place. Donc c'est génial. Voilà, donc j'en ai repris, je vais pouvoir continuer à ranger. Je pense que j'aurai pas assez, mais c'est pas grave, on en reprendra. Ensuite, j'ai pris ceci, donc ça fait partie des petites nouveautés, voilà, un gnome de chez Nelly's Choice, voilà, donc il y en a 4 dans cette collection-là. Je vous les montrerai après, parce que j'ai eu le flyer, donc celui-là, il est à 3,15€, voilà. Ensuite, j'ai pris, voilà, j'ai pris, hop, voilà, un pochoir, je vais y arriver, avec des pattes de grenouille. Voilà, donc il existe dans les deux tailles. Les deux tailles sont à 3,35€. Donc moi, j'ai pris la forme carrée de 15×15. Et il y a la en long. Voilà, donc selon vos préférences. De toute façon, c'est le même prix. Ensuite, j'ai pris, bah, du coup, pour aller avec cette collection-là, j'ai pris les grenouilles. Elles sont trop mignonnes. En taille, elles font un peu comme les petits lapins de printemps qu'on avait eu là pour Pâques. Elle ressemble aussi un petit peu à nos bonhommes de neige qu'on a vu l'année dernière, qui était tout petit aussi. Donc voilà, en ta question de taille, c'est à peu près ça. Ici, par exemple, elle fait 3 sur 4. Ici, elle fait 3,3 sur 4,2. Là, elle fait 2,4 sur 3,3. Et là, elle fait 3 sur 3,2. Alors, par contre, les trois là sont à 2,70€. Pourquoi celui-là est à 2,99€, je ne sais pas. Me demandez pas, je ne sais pas. Mais le tout premier est à 2,99€, voilà, le frog numéro 1. Et les trois autres sont à 2,70€, voilà. Donc pour qui, pourquoi celui-là n'y est pas, je ne sais pas. Voilà, pourtant c'est pas lui le plus grand, parce que ce serait lui, donc je ne sais pas, je... Hein, je sais pas moi qui fait les prix, donc je ne sais pas. Mais en tout cas, elles sont trop chou. Donc je vous les montre à l'arrière, voilà. Elles sont trop chou, franchement. Donc forcément, vous les reverrez bientôt. N'est-ce pas? Donc ça, c'est fait. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Alors, toujours en nouveauté chez Nelly's Choice, j'ai pris, pour celles qui ne sauraient pas, ma fleur préférée étant le fuchsia. J'ai pris le classeur. Alors, vous ne voyez rien. Je vais essayer de l'enlever de là. J'ai pris le classeur à embosser fuchsia, qui est à 6,15€. Donc, il y en a plein d'autres. Je ne sais pas si vous verrez mieux, en fait. Ça n'a pas l'air. Alors, avec une feuille blanche, j'en ai une là. À l'intérieur, peut-être. Ouais, ça n'a pas l'air d'être beaucoup mieux, hein. Non, c'est encore pire. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre pour que vous voyez bien? Une feuille noire. Pitette. Ah, j'ai une feuille craft. On va essayer. Une feuille craft. Donc, avec une feuille craft, est-ce que vous verrez bien? Ah, vous voyez un petit peu mieux déjà. Voilà, donc on a le dessin du fuchsia. Mais de toute façon, je vous referai une vidéo avec l'embossage. Parce que là, forcément, vous n'allez pas vous rendre compte. Mais étant donné que c'est ma fleur préférée que je l'ai vue, je l'ai pris. Après, il existait également un dague et un pochoir. Mais je me suis raisonnée et je n'ai pris que le classeur à embossage de 15-15. Voilà, mais bon, on peut faire une carte comme ça. On est obligé d'embosser, enfin de garder toute la... Les 15-15, voilà, donc ça c'est 6,15€. Ensuite, j'ai craqué pour les nouveautés Studio Light qui sont sorties. Donc j'ai pris deux tampons, j'ai pris la Snow Fun, voilà,
La Snowfun, on a donc le bonhomme de neige avec son petit lapin, le petit garçon avec la luge, deux sapins et trois sentiments. Donc on retrouve bien le petit garçon avec sa luge ici, les sapins ici et le petit bonhomme de neige avec son lapin ici. Voilà. Donc ça c'est 5,95 et j'ai pris des tampons de fond. Alors on a Joy to the World en musique avec même les paroles hein, en anglais, mais voilà. Et je pense que ça doit être le texte ici aussi. Là c'est Let It Snow, mais ça doit être une chanson aussi, je pense. Je pense. Bref, c'est background musique, donc on a des partitions, on a du texte. Voilà, par exemple, ce que ça peut donner. Et c'est 5,95 aussi. Et on a là deux autres tampons. Alors, on a les petits chalets à la montagne, avec la neige. Et ici, des silhouettes de sapins et d'arbres. Voilà. Donc moi, j'ai pris que ces deux-là parce que, très franchement, les chalets, ben, j'en ai pris la dernière fois. Et puis ça, j'en ai en pochoir. Donc, voilà. Donc, 5,95. Ensuite, il ne reste plus qu'un article à vous montrer. Ouais, c'est ça. Plus qu'un. Et c'est mes blocs de dessin, en fait. Voilà. 200 grammes, blanc à dessin, 20 feuilles à 5. Et ça, c'était 2,10 €. Non, 1,80 €, pardon. 1,80 € pièce. Mais par contre, c'est lisse, il n'y a pas de grain. Donc, à voir avec les crayons, parce que c'est pour colorier au fond de couleur. Donc, à voir ce que ça donne. Déjà, du 200 grammes, c'est cartonné, c'est pas mal. Pour le prix, je me dis que c'est pas mal non plus. C'est sans acide, donc voilà. Donc, j'ai de quoi faire, j'ai 40 feuilles. Voilà. Mais bon, c'est ce que j'utilise le plus, on va dire. Donc, c'est tout pour mes achats. Donc, on va passer aux nouveautés. Mes achats, c'est fini. Voilà. On va passer. Non, j'ai oublié un détail. Oh là là. Le prochain kit. Oh, pardon. Parce que vous êtes en train de charger en même temps. Le prochain kit de septembre. Il va apparaître un peu cher. Voilà. Je précise, il est à 33 € le kit. Mais, dans ce kit, qu'y a-t-il? Et à quoi va-t-il servir? Donc, on a ceci, déjà, tout compris. Il y a 21 pièces. Et en fait, c'est soit on peut en faire du Project Life, on peut en faire du planeur, on peut en faire un album. Pourquoi? Parce que dans ce kit, nous avons, c'est ce qui me semblait, nous avons, donc dans ce kit, on a quand même 21 pièces, ce qui n'est pas négligeable, même ça, on pourrait le réutiliser, c'est cartonné. Nous avons ceci. Donc, on en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. On a 6 pages comme ceci. Voilà. Avec des onglets. Recto, verso. Que, voilà. On a ceci. C'est de la marque Prima Marketing. Donc, c'est pas non plus négligeable. Voilà. Et voilà. Ensuite, en plus de ces 6 intercalaires, on a. Et ils sont. Ah oui, j'ai oublié de vous prévenir quand même. On a les 3 trous qui sont faits. Hein. Voilà. Donc on peut y mettre des anneaux, on peut mettre dans un classeur, etc. Ensuite, on a une page comme celle-ci avec des petites choses à découper, donc des étiquettes, des petites bandes, des tags. Là, on a même des petits sentiments. Et au verso, c'est une page normale, donc voilà. Mais on peut prédécouper donc nos petits éléments. On en a une deuxième comme celle-ci qui fait un pareil, un peu page de. On peut découper pour faire des petites cartes. Voilà. Ou ici, une bande. À l'arrière. Ensuite, on a une page de stickers, donc avec des alphabets ici, et même les chiffres. Donc là, il y a en minuscule et en majuscule, donc sur fond un peu beige. On en a aussi sur fond blanc. Et ici, on a des petits sentiments. Donc par exemple, ici, on a Friends Forever, Good Times, Road Trip, Adventure, Cherish, Fantasy, Special, Promise, avec mon accent anglais pourri. Donc voilà. Ensuite, on a quand même 3 pages
de Candace. Une, deux. Eh ben non, on en a que deux. J'ai dit une bêtise. Eh oui, on en a que deux. Bon, on a deux pages de Canvas. Sauf que celle-ci, c'est avec des... Je sais pas si vous le voyez où, mais bon, bref. C'est pas les mêmes, en fait. Voilà, on n'a pas les mêmes... C'est pas brodé pareil, le tissu n'est pas fait pareil. Voilà. On en a deux. On a une, deux, trois, quatre feuilles aquarelle. Donc là, c'est pour jouer vraiment avec l'aquarelle. On a une, deux feuilles de craft. Voilà. Donc pareil, hein, c'est très épais. Je ne sais pas s'ils mettent deux papiers craft, quatre watercolors, deux résistants de canvas. Ouais, c'est pas écrit. Bon, bref. Et on a quatre pochettes plastiques. Voilà. Pour d'où ça peut être dans le Project Life. On a quatre cases et quatre petites. Voilà. Par contre, bon, le seul hic, c'est que c'est quatre fois les mêmes. Hein. On n'a pas... ça ne se différencie pas, c'est exactement quatre fois les mêmes, quatre cases et quatre petites cases. Donc voilà. Donc ça, c'est la première partie du du kit. Non, j'ai un bout de je sais pas quoi là qui s'est collé. Bon, c'est pas grave. Donc ça, c'est la première partie du kit avec le papier, les pochettes plastiques. D'où ça peut vraiment faire album, Project Life ou même planeur. Voilà. Hop. Oups. Voilà. Ensuite, on a dans le kit, j'ai rajouté un petit tampon comme celui-ci. Donc, c'est Fairy Rim. Donc, toujours de Prima Marketing. Hein. Si je vous le sors, vous le verrez peut-être mieux. Hop, ma feuille de craft. Voilà. Hop. Donc, il est petit, mais je pense qu'il peut être sympa. Donc, on a ce petit tampon-là. On aura aussi celui-ci. Donc, c'est du tampon mousse. Avec, il y en a 10 apparemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Donc, il y a 10 tampons sur la planche. Avec une grande fée ici, des petites fleurs, un timbre. Des deux sentiments, le petit papillon, une petite arabesque en haut. On a également une petite, des petits fanions, la théière et sa tasse et le postcard. Donc voilà, pareil dans le kit. Dans le kit, j'ai aussi ajouté des cartes, donc de journaling, puisqu'on a dit que ça pouvait faire Project Life, planeur et album. On a donc des étiquettes, il y a 30 pièces, hein. Donc, on a des étiquettes comme ça. Donc là, il y en a 5. Je pense qu'il y en a 5 de chaque. Voilà. Hop. Donc, on a 5 étiquettes comme ceci avec le papier. Bon, ça peut faire un peu miroir d'ailleurs. Ça me fait penser à un miroir comme dans La Belle et la Bête. On a 5 étiquettes comme ceci, je pense. C'est ça. On en a 5. Donc, c'est ça. On en a 5 de chaque. Pareil. Donc là, on peut y faire par exemple un petit sentiment. On a des petites cartes comme ceci. Hop. Avec la petite fée au milieu là, une règle, une fleur. Donc celle-là, elle est rectangulaire. On a celle-ci avec des papillons. Voilà. On a celle-ci avec... Donc là, c'est que des rectangulaires. Hein, avec la fée qui ressemble un peu à celle qu'on a sur le tampon. Ouais, quelque chose près, ce sera à peu près la même. Voilà. Et ici, comme ceci. Voilà. Donc ça, il y en a 30. Donc comme il y en a 5 de chaque, ça veut dire qu'on a 6 différentes. Et j'ai pris également pour le kit, il y aurait ceci. Alors ceci, c'est du washi. Est-ce que je peux le sortir sans tout démonter? Il y a 5,5 mètres. Non, 5. Bah oui, 5,5 yards. Ça fait 1 mètre. Ouais, donc il y aurait un mètre de chaque, peut-être. Bon, je suis obligée de l'enlever totalement pour vous le montrer. Sinon, vous ne voyez pas. Voilà. Hop. Ah ben non, c'était pris à l'intérieur. D'accord. Donc là, c'est du noir et blanc, mais on a l'effet dessus. Est-ce que je peux... Oui, là. Mais je crois qu'il y a un plastique. Ça va être pratique, cette affaire. J'ai trouvé le bout, hein, mais... Alors, est-ce que c'est quoi ça? Et ça a l'air d'être du tissu, les filles.
Oui. Oh, je suis en train de l'abîmer. Non, ça va pas aller. Ça ne va pas du tout le faire si je l'abîme. Alors, ouais, il y a un plastique. Il faut que j'enlève le plastique. Voilà. Sauf que quand j'enlève le plastique, le tissu s'en va. Ça va être pratique, cette affaire. Donc, on va faire comme ça. Ce sera peut-être plus simple. Ah non, c'est qu'il est plastique. Non, il n'est pas plastifié, non. C'est ça, c'est du tissu, en fait. Donc là, il y a du scotch qu'il faut que j'enlève sur la première partie. Et puis après, on a le tissu, voilà, en noir et blanc. J'aime beaucoup, c'est sympa. Donc pareil, hein, c'est pour aller avec le kit. Et on en a un vert comme ça. Est-ce que je vais réussir pour vous montrer? C'est pas sûr. C'est le problème des washi, hein, c'est les débutés. Hop, voilà. Non, il s'est déchiré au milieu, ça va pas le faire. Ouais, puis en plus on verra rien. Bon. Hop, donc c'est ça fait des petits fanions en fait. C'est sur ton vert et c'est des petits fanions en blanc. Donc c'est très discret. Voilà, je le remets. Ah, bah ici, il est en train de se défaire. Alors, il y en a un d'un mètre, donc je dirais que c'est ça. Celui-là en tissu est d'un mètre et celui-ci, il y a 5,50 m. Voilà. Je pense que c'est ça. Donc il y a 1 mètre du washi en tissu et il y a 5,50 m du vert. Ils n'auraient pas fait l'inverse, hein, forcément. Bref, donc là, je remets ça dedans. Hop, voilà. Et voilà. Donc, pour le kit, vous aurez tout ça. Donc, celles que ça intéresse, qui veulent avoir des détails, vous n'hésitez pas, hein, vous me posez la question, vous m'envoyez un mail, un MP, tout ce que vous voulez, hein. Mais ce sera le kit du mois de septembre. Ensuite, les nouveautés. On y va. Oui, parce que quand même, c'est déjà 16 minutes. Alors, nous avons qui sort aujourd'hui, voire demain, cette page-là, voilà, d'Halloween. Le reste, c'est reporté à la semaine prochaine, donc je vous représenterai le reste la semaine prochaine. On a les feuilles comme ceci, phosphorescentes, à 4,95 €. Et il y a 5 feuilles à 5 pour faire que ça se voit dans le noir. Voilà. Donc, elles ont été utilisées ici et ici. On a également les pochoirs à 4,95 €. Donc, la toile d'araignée. Ici, c'est les yeux, hein, des yeux de monstre ou des yeux de chauve-souris, comme vous voulez. Donc, ça, c'est pour les pochoirs. Et ici, on a pareil. Alors, c'est pour faire la même chose qu'avec les feuilles, sauf que là, on a le gros pot de pâte de structure à 9,95 € pour les 100 ml. Et on a le petit stylo, comme on a l'habitude d'avoir, à 4,95 €. Mais là, il n'y a plus que 28 ml. Voilà. Donc ça, c'est des pâtes de structure, mais phosphorescentes. Ensuite, on va trouver maintenant... Il y a ça qui sort. Voilà, ça y est, je me rappelle. Voilà. Oui, parce que quand même. On a là le Glossy Effet 3D à 4,95 € pour faire comme là, ça fait un peu comme le Glossy Accent, voilà, sauf que là c'est en stylo et un petit peu moins cher quand même, mais ça fait comme le Glossy Accent en fait, voilà, à 4,95 €. Je crois que le nouveau le fait aussi d'ailleurs. Ensuite, on a les LED à 10 pièces, 3,95 € blanches là. On les retrouve. Alors là, ça veut dire qu'il y a 10 pièces, il y a 10 petites loupiottes sur le même fil, voilà. Et pour le noir, à 4,95 €, il n'y a que 3 pièces. Et on peut faire ceci. Voilà, on pousse ici. Donc on appuie ici, par exemple, sur une carte. Et ça allume la petite maison dans le pain d'épices qui est notée dessus. Voilà. Donc ça, c'est ce qui sort chez Studio Light cette semaine. La semaine prochaine, il y en aura sûrement plus. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui sort maintenant. Ensuite, les Nelly's Choice, donc je vous en ai déjà présenté tout de suite, mais on va parler des nouveautés, et il y en a quand même beaucoup. On a dans la collection du Gnome, que je vous ai envie de vous présenter, on a la petite biche ici, voilà, à 3,05 €, petite biche, petit cerf, enfin bref. Hein. On a les deux petits voilà, petites souris, petits, je sais pas quoi, à 3,25 €. Ensuite, on a le gnome, donc, que je viens de vous présenter, à 3,15 €. Et on a le petit nounours avec son bonhomme de neige à 3,35 €. Ensuite, on a le dies ici à 22,10 € pour faire cette petite boîte en forme d'étoile. On a également les scènes ici à 4,60 €. Donc, on a par exemple ici
L'arbre avec le petit nichoir. Ici, on a l'arbre. Je dirais que c'est un arbre en hiver sur le bord d'une plage. Ici, c'est une vallée enneigée. Et là, on a le petit chalet. Voilà. Donc, tout cela, les idylliques florales saines sont à 4,60 €. J'ai oublié de vous montrer que le petit faon, il était là. Il est là, le petit faon. Et ça, je vais vous les présenter après. Et ça aussi, puisque je les ai eus à l'intérieur. Voilà. On a ici tout ce qui est communion, mais pas que. Là, c'est, je dirais, la coupe avec le corps du Christ, là. Donc, à 8,98 €, c'est un dail. Ici, on a l'hirondelle ou je ne sais quoi à 9,15 €, avec son petit nuage. La partition de musique qu'on retrouve ici derrière, hop, à 7,55 €. Ensuite, on a tous les mini tampons à 2,99 €. On a les six petits papillons libellules, les oiseaux, les fleurs. Ici, on a tout ce qui est insectes, il y a même la chauve-souris. Ici, on a tout ce qui est rouage. Et ici, tous les petits cœurs. Voilà, donc ça, c'est 2,99 € pièce. Ensuite, on retrouve des plaques à embosser. Alors, on a ici les fleurs à 6,15 €. On les retrouve sur la carte qui est ici. Ensuite, on a un nid, enfin, on a une couronne de paille, je pense, avec du houx. Un oiseau, donc toujours à 6,15 €. Et là, une grande branche de fleurs à 6,15 €. Mais ça, c'est des classeurs d'embossage. Ensuite, on a en dessous que des dies. Alors, comme ils ne sont pas tous au même prix, je suis obligée de vous les donner. Ici, on a deux papillons à 4,55 €. Ici, deux papillons à 3,85 €. Une branche de trois fleurs à 4,55 €. Une autre branche avec trois autres fleurs à 4,55 €. Une sorte d'épi de blé à 3,85 €. Le bouquet de tulipes à 4,20 €. 4,55 €. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est comme fleurs, hein. Je dirais que c'est peut-être des feuillages. Ici, un autre feuillage à 4,55 € et une fleur toute seule à 3,95 €. Voilà. Donc ici, je vous ai présenté justement mon classeur d'embossage. Ici, on a pour faire ceci. Voilà. Donc, on a ça qui existe directement sur un classeur d'embossage à 6,15 €. On a le dies à 13,65 €. Et ici, on a tous les pochoirs là pour former ça à 16,45 €. Ensuite, on a mon fuchsia à 6,15 €, donc le classeur d'embossage, le dies à 9,30 € et le pochoir à 18,40 €. Donc, pour faire ceci. Ensuite, on a une autre, c'est un coin, un angle de fleurs. Donc, l'embossage à 6,15 €, le dies à 12,15 € et les quatre pochoirs à 12,35 €. Et on arrive à ça. En dessous, on a les orchidées. Donc, on a le classeur d'embossage à 6,15 €, le dies à 10,80 € et les six pochoirs à 14,45 €. Et on obtient ceci. Ensuite, je tourne. Je vous passe les dies ici parce que c'est en allemand. Donc, à moins qu'il y en ait qui soit intéressé par l'allemand, moi pas spécialement. Donc, je passe. Par contre, si quelqu'un est intéressé, qu'il n'hésite pas à me poser la question. Ici, on a une branche avec, alors c'est que des Christmas silhouettes, ça veut dire que c'est des tampons silhouettes. Donc à 3,25 €, ici, on a la branche d'arbre sans feuilles avec trois oiseaux et deux feuilles qui tombent. Ici, on a le cerf et son bébé à 3,15 €. Le Père Noël avec son renne à 3,05 € et les deux sapins à 4,20 €. Ensuite, on a les stamps Christmas Time, donc à 3,35 €. On a le chalet enneigé, le cerf, l'oiseau sur sa branche là, et ici le bonhomme de neige, enfin deux bonhommes de neige et leurs oiseaux à pareil 3,35 €. Ils sont tous à 3,35 €. Ensuite, ici, on a les dies de Noël. Ici, à 5,20 €, on a quatre dies pour faire les pommes de pin. Ici, 5,85 € la bougie, sa bannière et ses deux petits nœuds. 5,15 € ici la branche de feuillage, je dirais peut-être de houx, mais je suis pas sûre. Les boules de 5 € à 5,40 € qu'on a vu tout à l'heure, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on les retrouverait, ils sont ici. Voilà. On a les cloches à 5,35 €. Le poinsettia à 9,40 €. Le houx à 6,65 €. Un autre poinsettia et flocons de neige à 11,55 €.
et 8,5 € les feuillages d'hiver. Ensuite, ici, on a dies et tampons. Alors, ça veut dire qu'on a deux dies à l'extérieur plus un tampon pour mettre à l'intérieur. Donc là, je dirais qu'il n'y en a qu'un même, dies. Donc, à 10,30 € pour faire le mandala. À 13,45 € pour faire la croix. À 16,40 €, on a les deux dies contour et un tampon au milieu. À 16,40 €, les trois là sont à 16,40 €. On a le point cessia, un autre point cessia, parce que là c'est carré, là c'est rectangulaire. Ici, c'est les branches de houx. Comme on retrouve sur la carte ici, en fait, on a bien les deux dies au fond, le tampon au milieu. Et on en retrouve les deux là, ici, pareil, 17,80 € parce que c'est en long. Voilà. Ensuite, ma petite collection grenouille, donc, que je vous ai présentée tout à l'heure. Les tampons, donc je vous avais dit, le premier à 2,99 €, les trois autres à 2,70 €. Les pochoirs sont à 3,35 €. On a également les classeurs d'embossage à 6,15 €, donc pareil, en long ou en carré. Et pour faire les étiquettes, pareil, alors le sentiment qu'on retrouve d'ailleurs sur la carte ici est en allemand, mais les étiquettes, on peut s'en utiliser tout le temps, à 5,05 €. Et donc, on retrouve là, ils ont dû utiliser le die ici pour faire l'entourage et après le classeur de gaufrage ici pour faire le centre ici. Voilà. Et aussi le set de dies ici. Ensuite, parce que c'est pas fini. Non, non, c'est pas fini. On a les pochoirs ici à 3,35 €. Donc, on a ici sur Noël avec la Vierge Marie, Jésus et Joseph. Ici, un flocon de neige. Ici, plusieurs flocons de neige. Encore des flocons de neige. Ici, c'est un bouquet de fleurs. Et ici aussi. Et tous, ils sont à 3,35 €. Ensuite, ici en dessous, on a le tampon et le dies. Et c'est la vie à la ferme. Donc, on a les oies à 8,05 €. Poulets coqs à 8,70 €. Les vaches à 8,10 €. Les ânes à 8,65 €. Le cheval et son poulain à 7,85 €. Les moutons à 8,30 €, les cochons à 8,40 € et le tracteur à 7,45 €. Et on a des exemples ici. Ensuite, on a des combis pochoirs. Ici, pour faire un dot, alors je ne vois pas trop ce que c'est, mais je pense que c'est avec des petits ronds, etc., à 10,80 €. Pour former un mandala à 10,80 €, avec des ballons à 10,80 € et les bougies à 10,80 €. Donc ça, je vous en avais déjà montré avec des paysages. Voilà. Ici, on a pareil le sentiment en allemand, mais il y a les étiquettes en die. Donc là, 8,45 €, 8,90 €, 7,99 €, 8,90 € et 9,20 €. Donc il y a le tampon avec, mais le tampon est en allemand. Voilà. Donc, je préfère vous préciser. Ensuite, en dessous, oula, attendez, je vous donne le mal de mer. Ici, on a des feuilles à découper, donc c'est des lots de 10 feuilles à chaque fois. Donc 10 feuilles comme ça, 10 feuilles comme ça, 10 feuilles comme ça, 10 feuilles comme ça, à 4,98 €. Ensuite, on a les feuilles d'ici imprimées. Donc pareil, c'est donc vendu en lot de 10 à 4,98 €. Voilà, donc chaque là. Et ici, on a à 4,20 € en fait, 10 feuilles, mais on a 4. Ouais, c'est ça. Les 4 feuilles à découper. Et les 6 feuilles comme ça. Donc, vous avez un seul exemplaire dans le lot ici. Mais un seul de chaque. Voilà. Alors, si vous vouliez, il y a les 10 feuilles en lot. C'est comme vous voulez, en fait. Soit vous prenez que un comme ça et vous avez une feuille de chaque d'ici. Soit vous les prenez par 10. Et donc, c'est en A4. Ensuite, les petits outils. Alors, ici, on a pour ranger les brushes. Donc, c'est tout ce qui est brosse à 10,70 €. Par exemple, pour les laisser sécher. J'en avais un, je ne sais même pas où je l'ai mis. Ici, on a la règle en T à 2,70 €. On a les scotch double face. Je vais y arriver. Ici, en 9 mm sur 10 mètres, 2,35 €. Ici, 6 mm, mais 10 mètres, 1,70 €. En 3 mm, 10 mètres, 1,10 €. Ensuite, on a... Alors ça, je vais vous les présenter. Je les commande, mais ils ne sont pas arrivés. Ils arrivent que la semaine prochaine. Mais le stamping tool à 4,50 €. Donc ça, je vous montrerai à quoi ça sert. Le pick-up tool, pareil, je vous montrerai à quoi ça sert. Il est à 6,50 €. Et la petite pince, je ne l'ai pas prise, à 6,50 €. Bon, ça, c'est une pince normale, sauf qu'elle est antidérapante ici. Voilà. Ensuite, on arrive à la fin.
On a tout ce qui est enamel dots. Donc, on a 2,85 € le lot. De blanc, de noir, de bleu clair, de rose clair, de rouge, de vert, bleu foncé, jaune, violet, marron et transparent. Dans ces, chaque lot, donc à 2,85 €, dans chaque lot, il y a 12 pièces de 8 mm, 36 pièces en 6 mm et 36 pièces en 4 mm. Donc, vous avez de quoi faire. Voilà, à 2,85 € les enamel dots. Ensuite, on a 20 g de sequins dorés dans les tons verts, dans les tons bleus, dans les tons rouges, dans les tons violets, dans les tons rouges plus foncés. Donc là, ça doit être rose, rouge et blanc. 2,85 €, pareil, la petite boîte de 20 g. On a les couleurs sur les cœurs, en fait. Donc là, ce serait jaune, vert, bleu, rose, violet, rouge et blanc. Voilà, je n'avais pas fait attention. Ensuite, on a des lots de strass, donc à 2,20 € chaque lot. Ici, on a du bleu clair, du rose clair, du rouge, du vert, du jaune, du blanc et du noir. Donc, dans ceux-là, dans les strass, ici, on a 80 pièces en 3 mm. On a 32 pièces en 4 mm et on a 16 pièces en 16 mm, en 5 mm. Je vais y arriver. 16 pièces, 5 mm. Donc, on a le plus et les petits. Après, les moyens, il y en a 32 et les plus grands, sont, il y en a 16. Voilà, ils sont autocollants. Et ici aussi, voilà, donc tout ça c'est autocollant et ça aussi. Voilà, donc de toute façon je reste à votre disposition si vous avez des questions, n'hésitez pas, je vous répondrai. Certaines choses sont déjà dispo dans celui-ci, hein, je parle parce que Studio Light je vous le donne au fur et à mesure. Dans celui-ci il y a des choses qui sont déjà dispo mais d'autres qui sont en attente. Par exemple, qu'est-ce qui doit arriver? Alors attendez, Nelly's Choice, qu'est-ce que j'ai vu qui doit arriver? Et ben je ne sais plus. Bon ben voilà, c'est pas grave, on va faire autrement. Peut-être que finalement tout est déjà arrivé, hein. D'autant que je fasse la vidéo, que je reçoive le colis, etc. Pour l'instant tout est là. Ben, tout a l'air d'être arrivé en fait. Ah non, ça y est, j'ai trouvé. Il y a des choses qui arrivent en septembre. Par exemple, si vous vouliez avoir ceci, les trois ensemble, et ben sachez que le Dice, lui, n'est plus dispo. Il ne sera dispo que le 12 septembre. Par contre, le reste est dispo. Voilà. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres choses qui ne sont pas dispo? Non, tout ce qui est sequin est arrivé. Tous les tampons sont présents. Il n'en manque pas. Il n'y a que dans les outils, donc ça doit arriver aujourd'hui ou demain. Et enfin, le reste, je crois qu'on a déjà tout. Apparemment, tout est là. Donc voilà, donc il n'y a aucun souci. Si vous vouliez quelque chose, et au pire, vous me demandez et je vous dirai si c'est là ou si ça arrive plus tard. Mais apparemment, tout est dispo. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions sur les flyers, si vous avez des questions sur le kit ou sur le reste. Voilà, ben, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous dis à demain. Ciao, ciao, ciao.